Bonjour et bienvenue à Bulle d'écume, chronique de bande dessinée. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'album que je place au premier rang des 7 ou 8 000 albums que j'ai lus. Cette bande dessinée, c'est Le rêve de Meteor Slim et elle est l'œuvre de Franz Duchesneau. Meteor Slim, de son vrai nom Edward Ray Crocan, vit dans le Mississippi des années 30. Un jour, il décide de tout larguer. Femme enceinte, travail et maison pour vivre de sa passion, le blues. Au cours de son périple, pour se faire reconnaître par ses pairs et le public, Meteor Slim va croiser d'authentiques figures du blues, comme Robert Johnson. Il va aussi croiser des impresarios douteux, des filles faciles, le whisky. Franz Duchesneau nous livre un récit fabuleux, à des années-lumière d'une success story. Les passages musicaux sont tellement bien décrits qu'on entend quasiment les musiciens jouer. L'itinéraire chaotique de Meteor Slim est prenant jusqu'au bout. Quant au dessin, en noir et blanc, il est tout simplement somptueux. Des scènes de concert aux paysages des États du Sud des États-Unis, le lecteur est véritablement transporté dans un autre univers, des mélodies de bluesman plein la tête. De plus, le format de cette bande dessinée rappelle inévitablement à celui d'une pochette d'un bon vieux vinyle. Réussir à ce point d'album, cela relève de la haute voltige, et je dis respect monsieur Franz Duchesneau. Le rêve de Meteor Slim est paru aux éditions Sarbacane. Oui.